170 de madame Sylvie Robert, au ministre, de la, euh, pardon, au ministre, oui, auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales. La parole est à madame Sylvie Robert, auteure de la question. Merci euh, madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. En juin 2018, le département d'Ille-et-Vilaine et, et d'autres départements d'ailleurs, a signé avec l'État un contrat financier. Qui s'inscrit dans la loi de programmation des finances publiques, on le sait, pour les années 2018-2022, et qui ouvre la faculté de retraiter un certain nombre de dépenses dès lors qu'une évolution de leur montant est constatée. Le département est précisément concerné par cette possibilité dans la mesure où ces dépenses en matière d'éducation ont et sont amenées à varier sensiblement. En effet, la dépense démographique du département général progresse à un rythme annuel de plus 1,08%, soit le double au niveau national. Quant aux plus jeunes, les 5-19 ans, entre 2013 et 2019, leur croissance s'est avérée trois fois plus importante dans le département que la moyenne établie à l'échelle de la France. Ainsi, d'ici cinq ans, ce sont près de 1 collégiens supplémentaires qui sont attendus dans les établissements publics du département. Il s'ensuit bien sûr que cette prévision rend impérieuse la création de trois collèges et la réalisation d'extensions multiples aux établissements existants, l'augmentation annuelle des déficits de collégiens étant supérieure à 600. Concrètement, ces investissements auront un impact financier significatif dès l'année prochaine, estimé à environ 1 million d'euros. En année pleine, le coût de fonctionnement de chaque nouveau collège, avec une capacité fixée entre 700 et 800, est de l'ordre de 700 000 euros, soit un effort budgétaire qui représente quelques 2 millions d'euros à compter de 2021. En d'autres termes, si cette croissance démographique témoigne de la vitalité du, du département, et on s'en félicite, et se révèle une aubaine, bien sûr, pour l'ensemble de la région, il n'en demeure pas moins qu'elle est un défi auquel la collectivité doit répondre pour mieux, bien sûr, assurer la réussite de ses élèves. Alors, en vertu du contrat de maîtrise de la dépense locale et du décret d'avril 2018, l'ouverture de ces collèges constitue un changement de périmètre. Il paraît donc légitime que les dépenses qui sont attachées fassent l'objet d'un retraitement. Par conséquent, Madame la Ministre, le gouvernement entend-il retraiter les dépenses afférentes à la création de ces collèges dans le cadre de la contractualisation entre l'État et le département d'Ille-et-Vilaine Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Madame la Sénatrice Sylvie Robert, en effet, la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques fixe un taux de croissance annuel des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales concernées et leur groupement, bien sûr, à 1,2% sur la période 2018-2022. Des critères de modulation de ce d'évolution ont été prévus par la loi pour tenir compte des caractéristiques propres à chaque collectivité. Ils prennent en compte les évolutions supérieures à la moyenne pour la population et la construction de logements, le revenu par habitant et la part des habitants en quartier politique de la ville et pour les dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2016. Le département d'Ille-et-Vilaine n'était éligible à aucun de ces critères. Et plus particulièrement celui qui, prenant en compte la problématique de l'évolution de la population de la collectivité. En effet, bien que la croissance de la population du département d'Ille-et-Vilaine s'élève à 1,08% en moyenne par an entre 2013 et 2018, cette progression n'est pas supérieure d'au moins 0,75 points à la moyenne nationale. De même, la moyenne annuelle du nombre de logements autorisés ayant fait l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable entre 2014 et 2016 ne dépassait pas le seuil fixé par l'article 29 de la loi de programmation. Ce seuil est de 2,5, alors que la moyenne annuelle des logements autorisés sur le nombre total de logements est de 1,76% pour le département d'Ille-et-Vilaine. Donc, voilà, ce sont des chiffres, des réalités, mais. Évidemment, en ce qui concerne exercice, les exercices 2021 et 2022, les modalités de mise en œuvre du dispositif, c'est-à-dire les critères de modulation notamment, ne sont pas arrêtés à ce jour. Une nouvelle loi de programmation des finances publiques sera nécessaire. Merci. Euh, Madame Robert, vous disposez de 24 secondes pour une réplique à Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je remercie euh, euh, la ministre pour sa réponse. Euh, alors, j'ai bien compris qu'il va falloir attendre 2021-2022, euh, mais cette, cette question euh, était importante parce qu'on voit bien que dans les critères et, et, et qui ont été euh, forcément définis, d'autres viennent impacter considérablement euh, et notamment, vous voyez, la démographie scolaire, euh, les finances de certaines collectivités, singulièrement des départements. Et euh, je crois que le, le cas d'école qui est le département dille et J'imagine qu'il y en a d'autres, fait que la collectivité peut et pourra se retrouver dans des difficultés parce que le nombre est tel qu'à un moment, imaginez, un million, voire deux millions d'euros n'est pas quand même simple à trouver dans le budget de ce département. Je vous remercie. Merci. L'ordre du jour après la question orale numéro 880.